Bonjour, bienvenue sur Polyteams pour cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour aujourd'hui créer une barrette un peu décorative, je vais appeler ça comme ça, avec des perles de papier. Donc j'ai les doigts un peu sales parce que je viens de finir celle-ci. Je vais vous montrer comment faire une barrette de ce style, voilà, qu'on met dans les cheveux notamment, et fera très joli, notamment pour les fêtes. Alors on partira sur la base de perles de papier de 2 cm, hein, 2 cm. Si vous n'avez pas vu mes vidéos pour réaliser des perles de papier, je vous invite à aller farfouiller sur ma chaîne pour trouver la vidéo qui vous l'explique. Donc là on part sur donc une base de 2 cm en triangle, voilà, comme ce style. Alors je vous montre, voilà, hein, que je réalise notamment là avec des catalogues de vêtements, mais vous pouvez prendre vous les magazines que vous avez, cuisine, de vêtements, des vieux calendriers comme j'ai fait pour certaines de mes vidéos, voilà. On va faire une base, un rond, hein, où les perles vont être collées dessus, là aussi ça va être avec cette fois-ci des tubes de papier. Puis moi, pour décorer un petit peu et mettre un peu de fête dans ce petit bijou, j'y ai mis des strass, tout simplement, qu'on peut trouver un peu n'importe où, et notamment en ce moment, en période de fête, voilà. Et puis une barrette comme ceci. Alors moi j'en avais déjà regardé, hein, parce que peut-être que vous en avez à recycler. Du coup moi j'avais quelques barrettes comme ceci à recycler, dont je ne me servais plus, voilà, que j'ai utilisé pour coller sur mes perles de papier, voilà, sur le support. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ceci. Maintenant je me tais, je vais vous montrer, je vous dis à très très vite pour la réalisation. C'est parti. We'll be right back.
bien voilà, je viens de vous montrer comment je réalise cette petite barrette. Alors je vais pas trop la toucher parce que je viens de, comme vous l'avez vu, de la coller. Mais regardez, là c'est fini aussi de glosser, c'est pas totalement sec, hein. Donc je fais très attention, mais voilà ce que ça va donner. Alors hop, vous voyez, je vais la remettre pour qu'elle hop, colle ici parfaitement. Alors j'ai utilisé cette colle, mais vous pouvez utiliser la colle que vous voulez. Là c'est une colle pour bijoux, hein, qu'on trouve, moi je l'ai trouvée sur Amazon, mais je crois qu'elle y est un peu partout, elle est assez connue, elle colle très bien, mais vous pouvez très bien utiliser une colle très forte, ça fonctionne aussi. Donc voilà ce que ça va donner, vous voyez, il n'y a plus qu'à ouvrir, et voilà. Et là c'est glossé, et comme vous le voyez, la miniature de ma vidéo vous montre cette petite barrette dans mes cheveux. Voilà. Ben, y a plus qu'à réaliser de votre part. Et avec, bien sûr, à votre goût, avec vos idées. N'hésitez pas à partager. Hein, commentez les idées que vous avez. Peut-être ça me donnera moi aussi l'occasion de créer autre chose. Et surtout, partagez et la petite clochette pour vous notifier mes prochaines vidéos, car il va y en avoir, comme d'habitude, un certain nombre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je me suis, comme d'habitude, beaucoup amusée à la réaliser. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Bisous, au revoir.